Protégés et isolés du monde extérieur par une épaisse coque d'acier, des hommes ont recréé en partie leur mode de vie terrestre, dans des conditions de confort, il est vrai, assez particulières. Les sénateurs veulent vivre au rythme de leur temps, mais jamais ils n'ont accepté de répudier les richesses d'un passé dont ils sont fiers et comptables devant la nation. Durant les 20 dernières années, Messier Hispano Bugatti a livré en série 9000 trains d'atterrissage pour 26 types d'avions. Uniquement sur des avions français? Non, le groupe pratique une coopération internationale active avec la majorité des pays d'Europe et les États-Unis.
Derrière cette forêt de tubes se cache l'avion. Trains et systèmes hydrauliques y sont montés. Pour lui permettre de voler. La mobilité de chaque unité et la coordination du système lui confèrent la possibilité de se déplacer tout en continuant la surveillance et la protection permanente par utilisation périodique des unités. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Contrairement à ce que l'on avait pu penser en ce début de matinée, ce n'est pas un gag, le château de Chambord a bel et bien disparu cette nuit. Encore plus extraordinaire, un mystérieux personnage se faisant appeler le Grand Sigma a revendiqué l'événement. Il aurait annoncé au gouvernement qu'il est en mesure de détruire d'autres monuments français si dans un délai de 36 heures, on ne lui remet pas la somme fabuleuse de 100 milliards. Aujourd'hui, on tourne au Fort d'Ivry. On tourne un plan séquence en l'honneur des reporters de guerre, ceux qui depuis un demi-siècle filment les actualités de défense. Voilà,
va tout doucement. Pour l'instant, ils vont ralentir, c'est pas gênant. Là, très vite, là, faut foncer. Là. Je me souviens, oui, on montait, on venait. Oh là ! Ah oui, carrément. Un plan tourné grâce à l'aide de la Luma, merveille technologique, cette machine libère de ses entraves la caméra et crée l'illusion. Inventée à l'ECPA par Alain Masseron et Jean-Marie Lavalou, la Luma est utilisée sur les tournages du monde entier. C'était dans le cadre de l'ECPA et ça se tournait à Toulon, dans un sous-marin qui était à quai. Et donc c'est là qu'est venue l'idée originale de la Luma en plaçant le travelling dans la pièce à côté, et avec un morceau de bois qu'on avait trouvé sur le port, sur le quai, on a fait le tout premier modèle. Jean Luma, 7e. Action.